Qu'est-il arrivé au sabre laser de Yoda? C'est une question qu'on peut légitimement se poser, car le petit maître Jedi le perd dans la chambre du Sénat, lors de sa confrontation avec Dark Sidious dans La Revanche des Sith. Pour autant, celui-ci est apparu ensuite dans un comics canon sorti il y a quelques années, dans lequel nous pouvions découvrir que le grand vizir Mass Ameda organisait une sorte de cérémonie publique, au cours de laquelle il faisait passer le message que les Jedi étaient désormais du passé. Et qu'en témoignage de ce fait, ils allaient jeter au feu les armes de ces traîtres. Cependant, une autre œuvre vient poser un petit problème, puisque dans la série Le Livre de Boba Fett, lorsque Grogu débute son entraînement avec Luke Skywalker, celui-ci lui apprend qu'il a mis la main sur l'arme d'un très grand sage Jedi, il parle bien évidemment de celui de Yoda. D'après les membres du story group, il n'est pas impossible que Yoda ait possédé plusieurs sabres laser au cours de sa vie, ou bien qu'il ait tout bonnement pu en fabriquer un nouveau, durant son exil sur Dagobah.